Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne secret de Marilyn. Aujourd'hui, je reviens vous proposer une nouvelle recette gommage pour le corps à base du sucre roux, des poudres éclaircissantes et des huiles organiques. Ce gommage va vous gommer la peau, va éliminer les peaux mortes, va vous éclaircir la peau, unifier et à vous apporter beaucoup, beaucoup d'éclat. Avant de vous présenter la recette, je vous présente les gammes de chez Secret de Marilyn. Vous avez le kit éclat d'or qui est composé de trois produits, un lait de corps, une crème de visage et un sérum qui va vous faire éclaircir jusqu'à deux teintes et vous éclaircissez au fur et à mesure des utilisations car nos produits sont fabriqués avec des intrants organiques uniquement. Vous avez toute la gamme qui est composée d'un lait de corps, d'un gommage, d'un savon noir extra, d'une crème de visage et d'un sérum. Cette gamme vous fait gagner jusqu'à 3 teintes. Les produits vous éclaircissent au fur et à mesure d'utilisation. Maintenant, des personnes qui vont avoir un teint éclairci, blanchi rapidement, vous pouvez accompagner votre gamme avec soit le Lady Shine, qui est un super correcteur, qui aide vraiment à atténuer les quintos, unifier la peau, éclaircir beaucoup plus rapidement. D'accord? Et ça va rajeunir la peau, éliminer les toxines que vous avez dans le corps. Sinon, vous avez le phytocollagène qui va jouer énormément sur l'élasticité de la peau, joue aussi sur le rajeunissement et vous éclaircit rapidement si vous l'accompagnez avec vos produits. Vous obtenez un éclaircissement beaucoup plus rapide. Maintenant, on va passer à notre fabrication. Donc, on aura besoin du sucre roux, tout simplement, qui va nous servir de base de gommage. Et je vais utiliser comme huile végétale l'huile de coco ou copra. C'est la même chose, hein. C'est une huile qui est très, très adoucissante. Ça hydrate bien la peau et c'est moussant. Donc, ça aide beaucoup dans le gommage. Je vais utiliser un macérat huileux de curcuma. Je ne l'ai pas présenté, mais je vous verrai dans la vidéo. L'huile de vitamine E pour conserver mon produit. Ma glycérine éclaircissante. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, jetez un coup d'œil. Hein. Et la poudre de rasoul pour le côté apaisant et purifiant. Je vais utiliser deux poudres éclaircissantes. La poudre de collagène marin et Snow White. Prenez le collagène marin. C'est que le collagène marin qui est éclaircissant. Les autres ne sont pas éclaircissants. Donc maintenant, je vais peser tout au gramme près, commençant par mon sucre roux. Les filles, j'organise une formation en fabrication pour le mois de septembre. Donc, vous avez le lien du groupe WhatsApp en dessous de la vidéo. Mais quand vous accédez au groupe, demandez à ce que je vous envoie le programme. Voilà. Je vous envoie le programme et tous les détails de la formation et les frais de formation. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez participer à la formation. Donc là, j'ai pesé mon sucre roux, ma poudre de rasoul. Je viens rajouter mon huile de coco. D'accord? Vous aurez toutes les quantités en barre d'information comme d'habitude. Et là, je viens rajouter mon macérat huileux de curcuma. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment je le réalise. Mais la réalisation, elle est assez simple. Vraiment très simple. Et c'est, vous le savez, le curcuma donne beaucoup d'éclat, ça éclaircit d'une façon graduelle et ça enlève les taches, c'est très bon pour la peau. Et là, je rajoute ma glycérine éclaircissante. Pareil, il y a la vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez voir comment je l'ai réalisée, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et c'est vraiment super simple et c'est très bon pour hydrater, éclaircir les coudes et les genoux qui sont très très déshydratés et très sèches. Donc, à chaque rajout, je me rassure de bien mélanger mon produit. Et là, je viens peser mes deux poudres éclaircissantes, dont le Snow White et le collagène éclaircissant. Je vais y arriver. Non, le Snow White est très bon pour apporter de l'éclat à la peau. C'est une poudre éclaircissante qui donne quand même un résultat assez rapide. Voilà, assez rapide. Dans des trucs comme les gommages, les gels de douche, vous pouvez l'utiliser brut. Mais dans les crèmes, les sérums, les laits de corps, il faut connaître le processus de fonte et fondre correctement pour éviter que ça vous donne des points blancs.
C'est des produits où vous mettez, ça reste sur la peau. Il faut que les poudres soient bien fondues. Pour les gommages, les gels de douche, les savons, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser brut. Donc voilà, j'ai pesé mes deux poudres. Je viens rajouter dans mon produit. Je tourne hein, pour bien, pour effectuer un beau mélange. Donc je tourne, je tourne, je tourne pour bien mélanger. Et là, je vais venir rajouter ma vitamine E pour la conservation de mon produit. Dans cette formule, il n'y a pas d'eau. Il n'y a aucun produit qui contient de l'eau. Donc, vous pouvez rajouter le conservateur si vous voulez, ou vous rajoutez juste une bonne vitamine E pour conserver. C'est largement suffisant. Et rassurez-vous de bien mélanger votre produit à la fin pour obtenir quelque chose de bien homogène. Et là, je viens mettre dans mon bol. Donc, ma fabrication est terminée. Ce gommage, vous l'utilisez 2 fois par semaine. Si vous avez les autres qui sont très très rebelles, insistez dessus. Le sucre roux contient naturellement de l'acide glycolique. C'est très bon pour adoucir la peau. Moi, en général, je ne me sers que du sucre ou de sel de mer pour fabriquer mes gommages et c'est super efficace. La première utilisation, vous avez la peau toute douce. Et vraiment, les filles, essayez la recette et laissez-moi en commentaire. Ça fond sur la peau, ça adoucit la peau. Les filles, essayez et venez me commenter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer la petite cloche de notification. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao!